Yo tout le monde. Aujourd'hui, après le voyage, eh bien, on va rester un peu sur ce thème avec cette fois les monuments connus, comme par exemple Yosemite, El Capitan, Siena, High Sierra. Et pour commencer, on peut parler déjà de notre chère et unique Tour Eiffel. Savez-vous que la Tour Eiffel a été créée par une imprimante 3D et non par des milliers de mecs sous-payés? Mais si, je vous jure que c'est vrai. Regardez-moi tous ces gros bâtards qui nous ont menti. Bref, après la grosse blague, eh bien on peut dire que récemment, la Tour Eiffel s'est prise une grosse châtaigne à cause d'un gros éclair. Alors déjà, merci. Merci beaucoup Bertrand Kulik, parce que sans toi, ce désinformation internetisée n'existerait tout simplement pas. Et donc, conclusion, qu'est-ce qu'ils ont foutu les ingénieurs à l'époque? Ils n'avaient pas prévu qu'en utilisant ça, qu'en faisant des plans et tout pour que la Tour Eiffel elle ressemble à ça? Eh ben, ils attiraient les orages. Technologie de 1880 de merde. Hein? Attendez, vous dites que moi-même, je serais pas capable de faire un truc pareil? Attendez juste une seconde. Voilà. Maintenant que la création de ma vie a été réalisée, inaugurons-le.